Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir sur vos réseaux sociaux préférés pour cet entretien avec vous, Francine Toumi. Alors, cette soirée est à l'initiative du lieu unique, le Centre de culture contemporaine de Nantes, avec la collaboration de l'association Etika, dans le cadre de la saison Africa 2020. Alors, le lieu unique vous remercie infiniment, Francine Toumi, d'avoir accepté son invitation, mais aussi d'être là malgré tout, à distance, certes, mais là quand même, par l'entremise des outils numériques. Bonsoir. Alors, nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure de conversation qui se déroulera en deux temps. Je m'entretiendrai d'abord avec vous, Francine Toumi, pendant à peu près 50 minutes à une heure. Il faut bien ça pour dresser le portrait de la femme que vous êtes, docteur en sciences, engagée pour la recherche biomédicale, pour son développement en Afrique centrale, pour la lutte contre les maladies infectieuses en général et sur le continent africain en particulier, qui paye un lourd tribut à ces pathologies. Nous parlerons aussi de ce que la pandémie actuelle fait à cette recherche, en partie dépendante de crédits en provenance de l'hémisphère nord. Bon, et après ça, il y aura un temps de questions-réponses avec vous à distance. Vous qui nous suivez, on pourra échanger pendant 15 à 20 minutes. À tout moment de la discussion, vous pourrez envoyer vos questions par mail à l'adresse qui s'affiche en principe au bas de vos écrans et que je vais vous redonner, conférence.lelieuunique@gmail.com. Nous collecterons ces questions et nous les poserons pour vous à Francine Toumi le moment venu. Alors, Francine Toumi, vous êtes congolaise, enseignante, chercheuse à la Faculté des sciences et techniques de l'Université Marie Ngouabi à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Vous êtes également professeure associée à l'Institut de médecine tropicale de l'Université de Tübingen en Allemagne, en Europe donc. Le laboratoire universitaire de biologie moléculaire que vous avez fondé et que vous dirigez est le premier du genre au Congo. Vous dirigez également la Fondation congolaise pour la recherche médicale, FCRM, créée en 2008, je crois. On aura l'occasion d'y revenir. Et tout récemment, vous avez été élue présidente du conseil scientifique de l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement. Là aussi, nous en parlerons. Vous avez remporté de nombreux prix internationaux qui distinguent non seulement vos travaux scientifiques sur les maladies infectieuses, mais aussi votre engagement pour votre pays, le Congo-Brazzaville, le continent africain, la place des sciences dans les femmes, la place des femmes dans les sciences. Alors, on l'aura compris, votre parcours est dense, il est riche, vos engagements sont nombreux, mais commençons, si vous le voulez bien, par le début, votre formation. Quel a été votre parcours? Dans quel contexte? Où avez-vous fait vos premiers pas comme scientifique spécialiste des maladies infectieuses? Bonsoir tout le monde et merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'être avec vous et d'échanger avec vous. Alors, mon parcours a commencé en France, en fait, à Paris, puisque j'ai fait ma thèse à Paris 6, Université Pierre et Marie Curie. Et mon doctorat, je l'avais fait sur une thématique très recherche fondamentale sur le vison. Donc, vous voyez, il n'y a pas de vison en Afrique. Et puis, c'est au moment du postdoc à l'Institut Pasteur qu'a commencé justement mon intérêt, ma passion pour les maladies infectieuses et le paludisme en particulier. Alors, s'agissant plus particulièrement de la recherche sur les maladies infectieuses, on peut peut-être commencer par parler du paludisme, qui est un des sujets scientifiques qui vous a pas mal occupé au cours de votre carrière, et notamment ce programme de recherche sur l'infection plasmodiale pendant la grossesse que vous avez mené il y a une dizaine d'années, je crois. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire à quelles questions scientifiques vous tentiez de répondre à l'époque, quels ont été les résultats de ces travaux et leur prolongement? Le paludisme pendant la grossesse est une thématique. C'est vrai, je travaille sur le paludisme chez l'enfant. Le paludisme en fonction aussi du trait drépanocytaire, qui est très important chez nous.
Et puis, le paludisme chez la femme enceinte, parce que c'est aussi une des grandes causes de mortalité dues à cette maladie. Alors, j'ai commencé, parce que je continue à travailler sur le paludisme pendant la grossesse, d'abord à vouloir comparer, comprendre si les parasites qui circulent dans le sang sont les mêmes que ceux qui sont séquestrés dans le placenta de la femme enceinte. Donc là, ça a été le début de mes travaux dans le paludisme et la grossesse. Et là, on a très bien montré que ces parasites étaient différents. Et même maintenant, pas mon groupe, mais il y a des groupes européens, américains qui travaillent sur un vaccin contre le paludisme chez la femme enceinte et qui ciblent les parasites qui sont dans le placenta. Parce que ce ne sont pas les mêmes qui circulent quand on va faire un prélèvement sanguin qu'on va retrouver, non. Donc ça, c'était la première partie de mon travail. Donc là, ce sont les travaux que j'ai conduits au Gabon. Et puis au Congo, il n'y avait aucun travail, aucun travaux, en bon français, je ne sais plus, aucun travail Aucun travail. qui avait été conduit donc dans cette thématique. Et on a commencé par regarder comment était infectée la femme congolaise enceinte par Plasmodium falciparum, qui est le parasite du paludisme. Donc, on a décrit cela dans les deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Et puis ensuite, on a évalué, ce qui était très important, le traitement préventif intermittent. Parce que pour ne pas que la femme meure ou que le bébé qui risque aussi d'avortement quand on a le paludisme pendant la grossesse, on donne un traitement antipaludique à la femme enceinte tous les mois maintenant, qui lui permet donc de résister à l'infection. Et donc, on a évalué cela aussi au Congo et les résultats étaient intéressants puisqu'ils montrent que le traitement est encore efficace malgré la grande résistance des parasites à ce traitement. Mais alors, est-ce que c'est des résultats différents de ceux obtenus au Gabon, par exemple, ou dans d'autres pays africains? En quoi les conduire au Congo, c'était important? D'abord, très bonne question, mais parce que les populations ne sont pas les mêmes, les parasites ne sont pas les mêmes. Donc, ce que l'on peut observer au Gabon, même si c'est à côté du Congo-Brazzaville, les souches parasitaires peuvent être différentes. Ensuite, l'adhésion, l'adhérence ou l'adhésion au traitement préventif intermittent, il y a des femmes qui ne veulent pas le prendre. Il y a des femmes qui poursuivent toute leur grossesse sans prendre le traitement. Donc, les populations ne sont pas les mêmes et il faut évaluer avec les populations locales. Donc, c'est justement c'est un des grands problèmes que l'on a, par exemple, en recherche, où nos autorités souvent pensent que les études ont été menées en Europe. Pourquoi voulez-vous les mener ici? C'est une perte de temps. Non, non, non. Génétiquement, nous sommes différents. Et donc, immunologiquement, nous sommes différents. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la biodiversité. Notre environnement est différent. Et donc, il faut conduire les études dans les populations qui bénéficient d'un traitement pour bien évaluer l'impact de ce traitement. Parce qu'on peut découvrir des choses que l'on n'aurait pas vues dans d'autres populations. Ça, c'est un discours qui se comprend très bien scientifiquement. Est-ce que politiquement, c'est un discours difficile à faire passer vis-à-vis des financeurs également de ces recherches? Non, alors, ça dépend parce que quand on cherche des financements, on écrit des projets et il faut expliquer pourquoi on veut conduire cette recherche et donc il faut avoir tous les arguments pour pouvoir être financé, pour que le bailleur de fonds accepte. Donc je pense si nos études sont financées, c'est que le besoin était là et le besoin de comprendre le paludisme chez la femme enceinte est très important. Pour répondre aussi à votre question, vous savez, l'Afrique centrale, d'où je viens, où est situé le Congo-Brazzaville, est la région la moins dynamique scientifiquement. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de données qui n'existent pas. On fait des estimations sur ce qui se passe parce que
Il n'y a pas les données. Donc, vous voyez, donc il est important, même les données de base, tout commence par faire l'état des lieux d'une situation. Et donc, ces données de base, dans beaucoup de nos pays, malheureusement, n'existent pas. Donc, quand nous, la Fondation congolaise pour la recherche médicale, donc, écrivons un projet pour apporter ces données, on a quand même quelques chances d'être financé, et c'est ce qui se passe. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en parler de la Fondation congolaise pour la recherche médicale? Qu'est-ce qui a prévalu à sa création? Et aujourd'hui, dans quel domaine est-ce qu'elle œuvre? Et la question derrière ça, c'est aussi comment est organisée la recherche biomédicale au Congo et plus généralement en Afrique centrale, peut-être avant toute chose. Alors, la Fondation congolaise pour la recherche médicale, donc j'ai créée, a été créée en 2008. Et je vais vous dire, je l'ai créée parce que avant de la mettre en œuvre, j'ai travaillé dans beaucoup de pays, dont la Tanzanie, le Gabon, et j'étais aussi dans des comités scientifiques internationaux. Et dans ces réunions, comme toujours, le constat était que l'Afrique centrale est peu dynamique, et pourquoi il y a si peu de pourquoi les investigateurs qui sont en Afrique centrale n'arrivent pas à obtenir des financements, enfin. Et étant d'Afrique centrale, je me suis dit, il est temps de rentrer. Je vais pas, il faut que j'aille. C'est facile d'être autour de la table et de dire qu'eux ne peuvent pas, mais il faut que j'aille faire avec eux. Et donc, j'ai décidé de rentrer au Congo-Brazzaville, mais je n'avais pas à ce moment-là d'emploi. Je n'étais pas recrutée encore à l'université. Et donc, je me suis dit, je vais créer l'instrument qui va me permettre de rentrer. Et donc, avec des collègues, on a créé la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Et immédiatement, on a écrit des projets pour avoir des financements, ce qui s'est passé. Et donc, jusqu'aujourd'hui, cette fondation fonctionne avec des financements, donc du secteur public et du secteur privé, puisque maintenant, on arrive même à lever des fonds pour la recherche pour le secteur du secteur privé. Et au Congo-Brazzaville, c'est vrai que notre fondation, c'était la première à recevoir des fonds privés pour conduire des activités de recherche dans le pays. Donc, ça, c'était très important. Donc, et ensuite, au Congo et en Afrique centrale, il n'y a pas la masse critique d'investigateurs pour répondre aux besoins de santé de la population. Je parle, bon là on est en recherche biomédicale, mais c'est la même chose dans d'autres domaines scientifiques. Donc, il faut former, et il faut former des gens de qualité, et les femmes, évidemment. Donc, la Fondation, sa mission c'est de contribuer au renforcement des capacités de la recherche médicale au Congo, mais aussi en collaboration, évidemment, avec les institutions locales et internationales, et c'est ce que nous faisons. Donc, comme vous l'avez compris, la recherche est très, très peu financée domestiquement par nos gouvernements, et donc, ils s'étaient entendus à Abuja, je crois, en 2002, de donner 2% du PIB pour la recherche, ce qui n'a jamais été le cas, jamais. Il n'y a que l'Afrique du Sud qui arrive, je crois, 0,8% donc de contribution pour la science, et on voit comment l'Afrique du Sud est dynamique scientifiquement. Voilà, donc c'est un gros problème, effectivement, de devoir financer tout le temps notre recherche avec le soutien, effectivement, de l'extérieur. Et le plaidoyer que je fais et que avec mes collègues, c'est justement faire comprendre que il est temps que l'on prenne en charge notre recherche. Bien sûr qu'il faut des fonds extérieurs, mais il faut quand même ce financement de base qui va permettre d'être efficace et, pour répondre encore une fois aux besoins de nos populations. Et c'est ce qui permettrait de pérenniser cette recherche. Également. Absolument, exactement, absolument, absolument, absolument.
Alors aujourd'hui, justement, les subsides, vous dites qu'ils viennent plutôt de l'extérieur, mais alors c'est quoi? Est-ce que c'est de l'académique d'autres pays? Est-ce que c'est uniquement du privé? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont la recherche biomédicale est financée dans votre pays aujourd'hui? Alors, la recherche biomédicale est financée non seulement au Congo, mais dans beaucoup de, en Afrique. Hein, déjà, la Commission, il y a des grands agences de financement de la recherche biomédicale. La Commission européenne, par exemple, alloue énormément de financement donc pour la recherche menée entre scientifiques européens et scientifiques africains, le DCTP, qui est un organe extrêmement important depuis ces 20 dernières années pour l'Afrique et qui a fait beaucoup pour le développement de la science en Afrique, qui est un financement de la Commission européenne et des États membres européens avec l'Afrique. Donc, c'est une association, mais où bon, les fonds cash sont donnés par la Commission européenne et les États membres européens, mais l'Afrique contribue plus en nature. Voilà. Donc, c'est un partenariat très performant, très efficace. Et donc, la fondation a pu se développer grâce beaucoup à le DCTP, donc le partenariat Europe-Afrique pour les essais cliniques, EDCTP en sigle. Donc, il y a le Wellcome Trust, l'Angleterre, les États-Unis. Donc, tous les grands pays européens, américains ont des agences de financement de la recherche. Et cette recherche est en fait pour les maladies infectieuses, ces maladies infectieuses avec l'Afrique. Cela permet aux scientifiques africains de pouvoir conduire aussi des activités de recherche chez eux. Mais ce qui est très important, c'est que beaucoup de ces financements maintenant permettent que le scientifique africain soit le porteur du projet. Ça, c'est très important. C'est très, très important parce que là, on s'approprie complètement la recherche qui est conduite. En tant qu'investigateur porteur principal du projet, on définit le type de recherche que l'on veut conduire. Et nos collègues européens ou américains nous aident à mettre en œuvre ce projet. Mais ce n'est plus comme il y a 25, 30 ans, 40 ans, peut-être, où les idées, tout venait du scientifique européen ou américain qui malheureusement, quelquefois, ne connaissait pas le contexte. Et donc, l'impact de cette recherche était beaucoup moins visible ou moins important. Ça veut dire que les scientifiques africains sont aussi plus visibles dans les publications, en termes de signatures notamment, Absolument. depuis peut-être une dizaine d'années, c'est ça? Vous avez parfaitement raison, exactement. De plus en plus, effectivement, les scientifiques africains ont des positions importantes sur la liste des publications, premier auteur ou position de senior en dernière position, absolument. Alors, on a parlé un petit peu du paludisme, mais ce n'est pas la seule maladie infectieuse sur laquelle vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu un portrait des thématiques et des pathologies d'intérêt pour le Congo, l'Afrique centrale et peut-être plus largement encore l'Afrique? Alors, pour le Congo, le paludisme, évidemment, cela concerne toute l'Afrique subsaharienne, le VIH-Sida aussi, les trois grandes maladies, le VIH-Sida et la tuberculose, qui sont, voilà. Donc, ces trois grandes maladies sont vraiment le fléau, les fléaux qui sont sur nous depuis plusieurs années et sur lesquels nous travaillons beaucoup. Mais il y a les maladies tropicales négligées aussi qui sont là. Chikungunya, la dengue, la schistosomiase, enfin, voilà. Il y a donc d'autres maladies qu'on appelle même tropicales négligées parce qu'il y a peu de financement pour ce type de maladies. Pour trouver des solutions pour ces maladies. Donc, la Fondation, nous travaillons essentiellement sur ces maladies, donc tuberculose, VIH,
sida et le paludisme, mais aussi sur les maladies diarrhéiques chez l'enfant de moins de 5 ans. Parce que là aussi, c'est une grande cause de mortalité infantile. Et donc, nous regardons les virus qui sont responsables en particulier de ces maladies diarrhéiques, ensuite les parasites et puis les bactéries. Donc là, c'est une grosse thématique chez nous et qui est financée grâce au secteur privé. Donc, secteur privé, c'est les industries pharmaceutiques. Non, Est-ce qu'il y a secteur. d'autres profils? Non, là, le pétrole. Le Voilà. pétrole. Voilà, une société pétrolière, nous sommes allés la trouver et dans le cadre de leur responsabilité sociétale, nous avons demandé qu'ils nous soutiennent pour répondre justement, pour comprendre de quoi, parce que beaucoup d'enfants souffrant de diarrhée sont soignés sans vraiment avoir de diagnostic. Voilà, on ne sait pas si c'est bactérien, viral, parasitaire, bon, antibiotique, avec le problème, voilà, de la résistance aux antibiotiques en plus. Donc, ils ont accepté de nous financer depuis 2011 et donc nous travaillons donc sur cette thématique Donc aussi. ces thématiques-là sont plutôt relèvent plutôt de la recherche appliquée ou clinique. Est-ce que vous conduisez aussi des projets en recherche plus fondamentale en biologie moléculaire? En apparence, vous dites que c'est plus opérationnel. Non, ces recherches tout à fait fondamentales. Elles ont aussi Pour un les... volet fondamental. Absolument, parce qu'on regarde la diversité, par exemple, aussi bien pour le paludisme, on décrit les parasites qui circulent, les parasites qui circulent, tout ça évidemment en biologie moléculaire. Par la biologie moléculaire, ça n'intéresse pas immédiatement le programme national. Ça intéresse ceux qui développent le vaccin ou les médicaments contre, pour voir si, quand on utilise un médicament ou par exemple des essais vaccinaux ou des insecticides, s'il y a des souches parasitaires, par exemple, qui sont plus sensibles à l'intervention que d'autres. Donc, il y a beaucoup de recherches fondamentales que nous faisons, la biologie moléculaire que nous faisons, ça répond vraiment, c'est de la recherche fondamentale, mais évidemment, pour conduire cette recherche fondamentale, il faut l'expliquer, comment dire ça, avec une vision plus appliquée, entre guillemets. Je ne sais pas si je suis claire, mais sur le Covid, bon, le Covid par exemple actuellement, nous faisons des études de séroprévalence. Bon, nous regardons dans les anticorps quels sont les types d'anticorps qui sont présents chez les gens qui semblent protégés contre l'infection. Ça, c'est de la recherche fondamentale. Donc voilà, on allie les deux. On allie les deux. Revenons, si vous voulez bien, sur la notion que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est le nécessaire renforcement des capacités de recherche en Afrique, au Congo en particulier. On a un petit peu évoqué les enjeux. Par quoi ça passe, ce renforcement des capacités de recherche? La formation, certes, mais l'attractivité aussi, peut-être pour ces carrière, la possibilité d'avoir des équipements technologiques, quels sont les leviers pour parvenir à renforcer ces capacités de recherche? La formation reste le premier levier. Et une formation de qualité. Ça, c'est vraiment le premier levier. Le deuxième levier, c'est le plateau technique, l'environnement doit être là, le minimum d'équipement pour pouvoir conduire une recherche de qualité. Le troisième, la culture scientifique. Malheureusement, elle n'est pas là. Et j'ai constaté moi-même en commençant la fondation qui a mis en place maintenant ce n'est plus un laboratoire, mais on a mis en place un centre de recherche sur les maladies infectieuses. Je me suis rendu vite compte qu'il n'y avait pas cette recherche, cette, excusez-moi, culture Cette culture. scientifique. Et ça, c'est très important parce que si les étudiants n'ont pas cette culture, comment
deviendront-ils de bons scientifiques? Comment prendront-ils vraiment conscience de leur rôle et de leur importance? Et ça, c'est le quatrième levier. Même mon constat, c'est que même nos autorités ne comprennent pas quel est le rôle des scientifiques et l'apport que les scientifiques africains peuvent apporter pour leur décision, pour leur prise de décision. Et là, il y a aussi tout un travail que nous sommes en train de faire, les scientifiques congolais, mais les scientifiques africains de plus en plus. Et la COVID nous aide bien, ou nous a bien aidé, ou nous aide bien, parce que c'est un travail qui continue, à faire comprendre que, voilà, il faut qu'il y ait des bons scientifiques qui soient capables, voilà, de vous donner de bonnes informations. Et donc, moi, je dirais que ce sont ces quatre leviers très importants. Sans culture scientifique, c'est difficile. On n'arrivera pas, on pourra mettre le plus beau plateau technique, il ne se passera rien. Il faut des scientifiques bien formés et puis, voilà, formation, plateau technique, culture scientifique et puis une reconnaissance, évidemment, de l'environnement et des autorités en donnant ce que vous avez appelé l'attractivité aussi. Chez nous, une carrière de scientifique n'est pas attractive du tout. C'est-à-dire en termes de rémunération, rémunération, de carrière, exactement, de reconnaissance. Absolument. Un médecin a la reconnaissance de la société, à la reconnaissance de l'institution, mais un scientifique, non, non, non. Il a pas de reconnaissance et il faut lui apporter, je pense, dans certains pays, là je parle de ce que j'ai vu ou j'ai vécu dans mon pays, mais je sais que dans certains pays comme l'Afrique du Sud, le Sénégal, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a la culture scientifique est là. Dès que la culture scientifique est là, les autorités comprennent l'importance et le scientifique a le statut qu'il doit avoir pour pouvoir jouer pleinement son rôle. Donc le Kenya, par exemple, ce n'est pas du tout la même situation. Là, je dirais presque que c'est peut-être la situation des pays qui ne décollent pas. Voilà, en Afrique centrale en particulier. Mais à quoi ça tient, ça, justement, ces différences d'accès à la culture scientifique? J'imagine que c'est dès le plus jeune âge ou la façon dont l'éducation scientifique est déployée ou portée ou pas. Ça semble surprenant de telles disparités d'un pays à l'autre. Alors là, je dirais que c'est à la fois, c'est là vous mettez le doigt sur tout un système, tout un ensemble de dysfonctionnements, parce que tout commence, je dirais presque, oui, tout commence à l'école, mais continue à l'université. Si à l'université, il n'y a aucun laboratoire, que la recherche est faite virtuellement, voilà, comment voulez-vous qu'un esprit qui est déjà une attraction pour ce métier, que l'on ne connaît pas, puisque tout est virtuel. Tout est virtuel. Donc, voilà. Donc, je pense que ce sont des dysfonctionnements aussi dans la formation, aussi bien académique. Ensuite, les institutions de recherche ne sont pas dotées, ne sont pas encouragées. Il y a beaucoup de fuites de cerveau, forcément, puisque il n'y a pas d'intérêt, d'attractivité pour travailler localement. Donc, voilà, c'est un ensemble de dysfonctionnements qu'il faut réparer. Voilà, et donc, il y a avec différents niveaux de responsabilité, mais je pense que de toutes les façons, tout part par une volonté politique. Et alors, à quel endroit est-ce que ce discours, ce plaidoyer,
peut avoir un écho. Est-ce que c'est par l'IRD, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, et à une place au conseil scientifique de l'IRD que ce discours peut avoir une portée? Est-ce que c'est à d'autres endroits? Et j'en viens du coup à vos engagements dans des institutions et des conseils scientifiques ou des conseils d'administration qui peuvent vous mettre dans des positions où vous serez en capacité de porter ce discours et Alors, d'être entendu. Oui, alors je dirais que nous, que l'engagement et le processus de se faire écouter a commencé en créant la Fondation congolaise pour la recherche médicale, en créant cet instrument. Parce que déjà, c'était très inattendu. Et je crois que beaucoup n'ont pas compris pourquoi créer une fondation qui... Bon. Mais aujourd'hui, tous comprennent maintenant la force de cette institution qui est, sans vouloir me vanter, je pense que c'est l'une des meilleures institutions de recherche du pays aujourd'hui, en 13 ans. Et donc, je dirais presque, comme disent les Anglais, learning by doing, vraiment en faisant, voilà. Et maintenant, justement, et c'est un discours que j'ai face aux journalistes, en disant que je sais aujourd'hui qu'on peut faire de la recherche de qualité au Congo. Avant, quand j'étais à l'extérieur, je pensais peut-être que c'était pas possible. Aujourd'hui, je sais que c'est possible, puisque j'arrive à le faire. Et donc, ce plaidoyer porte pourquoi aussi? Parce que les prix que j'ai, ce ne sont pas des prix que j'ai eus parce que je travaille en Allemagne, ce sont des prix que j'ai eus pour ce qui a été fait au Congo. Et ce sont des prix sans complaisance. Ce ne sont pas des prix pour me faire plaisir, pour dire non. Ce sont des prix qui reconnaissent une qualité. Donc, pour moi, c'est là déjà mon plaidoyer. Et c'est grâce, c'est avec ces résultats que maintenant, je parle aussi bien au Congo qu'à de différentes plateformes, que j'explique cela en disant, voilà, il faut une vision. Je pense que la Fondation a une vision. Il faut des formations, c'est ce que nous faisons. Et en travaillant sur place, on arrive même à publier dans Nature, on arrive dans les meilleurs journaux du Congo. Donc, c'est possible. Et ce plaidoyer en même temps marche, fonctionne. Pourquoi? Parce que les étudiants sur place voient ce qui se passe. Donc, ça donne une petite lueur. Une lueur. Ensuite, nos autorités maintenant, les autorités savent que c'est possible de conduire de la recherche de qualité. Maintenant, il faut que ça se transforme en soutien plus approfondi. Mais donc, moi, je dirais que tout ce qui a été fait au Congo, le résultat, je me retrouve présidente du conseil scientifique de l'IRD, c'est le résultat de tous ces engagements et avec ces résultats. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que les résultats plus les prix, ces reconnaissances extérieures sont pour moi des boucliers maintenant, ou des armes, ou des moyens pour pouvoir porter la voix un peu plus fort et pour dire, pas aidez-nous, je déteste ça, mais il est possible de faire de la recherche de qualité au Congo. Pas que, voilà, justement, pas que de la recherche opérationnelle, non, de la recherche fondamentale pour répondre aux besoins du pays. Voilà, et qu'on n'attende pas que Paris fasse la recherche et puis qu'on applique, non, mais qu'on puisse déjà poser les questions et trouver les réponses sur place. Voilà. Et ça, ça participe, comme vous le disiez, à une forme d'émancipation collective et d'appropriation collective de la connaissance et de la santé du pays. Absolument.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la COVID, qu'on a bien évidemment toutes et tous en tête en ce moment. En Europe, dans les pays occidentaux, même si je veux aller un petit peu plus largement, on se débat pas mal avec cette pandémie qui fait vaciller les économies et les systèmes de santé. Quelle est la situation aujourd'hui au Congo, la situation sanitaire et la situation notamment vis-à-vis de la vaccination? Alors, au Congo, donc nous avons eu notre premier cas en mars, je crois, le 14 mars 2020, et aujourd'hui on est à 10 600 cas, un peu plus de 10 618, 620 cas, et on est à 144 morts, décès. Voilà. Et en ce moment, on observe, on a eu notre deuxième vague, on est en train de descendre de cette deuxième vague, semble-t-il. Maintenant, effectivement, en ce qui concerne la vaccination, on a reçu donc deux vaccins, le vaccin Sinopharm et Sputnik V. Depuis, je crois, le 24 mars, la vaccination est déployée dans le pays. Et pour le moment, je crois qu'on est à 26 000, 27 000 doses administrées. Il y a encore beaucoup d'hésitation de la population face à la vaccination contre la COVID. Et là aussi, par exemple, ce que j'explique beaucoup, les chercheurs locaux n'ont pas joué leur rôle. Pourquoi? Parce que les sociologues, les anthropologues, ça fait un moment qu'on voit très bien qu'il y aurait un problème avec cette vaccination. Que les populations pouvaient montrer une certaine réticence. Et contre celle-là en particulier ou contre la vaccination en Non, général? contre celle-là en D'accord. particulier, parce que bon, on a tous vécu bon les débats télévisés en direct des scientifiques, les contradictions, les bon, et plus les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Et nous, en Afrique, il y a un autre niveau, à savoir que bon, on veut éliminer les Africains, enfin. Les réseaux sociaux, hein, je veux dire. C'est une Donc, théorie qui a cours voilà, sur les réseaux. théorie, voilà, la conspiration, bon, tout ça mis ensemble. Bon, la rapidité de ce vaccin, de la mise en œuvre, De la mise au point. de la fabrication, la mise au point, fabrication de ce vaccin, donc tout ça pose question. Il y a besoin d'expliquer. Il y a besoin d'expliquer. Mais là aussi, les autorités ne se sont pas appuyées sur les scientifiques pour aider à donner des réponses aux populations. On a laissé les réseaux sociaux et, bon, et les chaînes étrangères apporter l'information avec toutes les contradictions et voilà, incompréhensions que peuvent avoir voilà, la population qui n'est pas scientifique, bien évidemment. Voilà. Donc, bon, dommage que les sociologues n'aient pas participé, parce que peut-être, et même pas peut-être, ils auraient été capables de donner les messages adaptés à la population. Voilà. Les études en sciences sociales de manière générale, anthropologie Ben ou bien sûr, sociologie, oui. exactement. Bon, voilà. Donc là, nous sommes encore qu'à 26 000, 27 000 doses, mais espérons que, bon, avec Donc le ça, c'est les temps, doses voilà. administrées, mais Administrer, en administrer. termes justement d'accès aux doses, quelle est la situation Oh. au Congo? Est-ce que c'est facile de faire venir des doses? Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures avec d'autres pays? Pour le moment, on a reçu 100 000 doses de Sinopharm et on attend 1 million de Sputnik V, il me semble. Bon, peut-être que dans les. Et là, on est à 27 000 doses, donc vous voyez déjà avec ce qui est déjà là. Le facteur Bon, limitant, ce n'est pas les voilà. doses. Non, ce ne sont pas les doses pour le moment, non, ce sont pas les doses. D'accord. Et même les points de vaccination sont disponibles.
Donc, la population est encouragée à aller se vacciner, mais bon, peut-être qu'elle est, moi je dirais qu'elle est peut-être pas assez informée, encouragée en informant pour, voilà, elle est encore en train de, elle hésite encore, elle hésite. Alors justement, s'agissant aussi de la COVID et de la recherche sur le SARS-CoV-2, vous avez signé une tribune ou un texte dans Nature en novembre dernier. Donc Nature, c'est une des plus prestigieuses revues internationales. Vous appeliez la communauté scientifique internationale à pas concentrer tous ses efforts sur cette recherche-là. Au risque de négliger la recherche sur les maladies infectieuses dont on a parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'elle a été reçue, cette tribune? Qu'est-ce qui s'est passé depuis novembre et pourquoi c'était important pour vous de porter ce discours à ce moment-là? Alors, la tribune a été très bien reçue et j'ai eu beaucoup de messages du monde entier, du monde scientifique, du monde entier. Et j'ai découvert des textes aussi, donc d'autres articles scientifiques qui n'ont pas eu cette visibilité, mais qui allaient complètement dans le sens de cette tribune. Et c'est vrai qu'elle a permis. Pas de libérer la parole, c'est peut-être un petit peu parce que je crois qu'en novembre, personne n'osait dire vraiment ouvertement que, bon, c'est bien de chercher pour Covid, mais c'est quand même, voilà, on a des maladies qui sont là, le paludisme est l'une des maladies les plus vieilles du monde. On n'a toujours pas de solution et bon, voilà, il y a quand même C'était poser un constat et cette petite dissonance-là. Votre intention, voilà, c'était ça. c'était non pour moi c'était plus que ça parce que dans le même temps je vous explique, je vous ai dit que nous les gouvernants ou gouvernements africains donnent peu à la recherche. Et là, pour la COVID, nous avons tous vu en Afrique des balais, mais des sommes, le secteur privé, le public, mais il y avait des dons, mais les gens n'hésitaient pas, les sociétés n'hésitaient pas à mettre de l'argent dans le fonds COVID. Donc, très bien, parfait. Et donc, en novembre, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant. Tout ce secteur privé, quand on leur demande des financements pour les maladies, pour suivre la vaccination, pour comprendre ce qui se passe chez la femme enceinte, voilà, ils n'arrivent pas à donner un centime. Et là, des millions étaient déversés à de bons cœurs. Alors, je me suis dit, il faut faire une photo et leur rappeler. Et pour moi, c'était ça, c'était leur rappeler, ah, je vous ai vu. Nous vous avons vu, vous êtes capable de mettre de l'argent dans la recherche. Mais c'est fantastique. Alors mettez pour le paludisme. Voilà, c'était vraiment ça. C'était de dire, on vous a vu, vous êtes capable de le faire. Pas l'Europe. Je ne parle pas de l'Europe. Je ne parle pas. Là, vraiment, je vous ai vu, là, mes frères africains, mettre de l'argent pour la recherche pour la COVID. Bravo, maintenant mettez de l'argent pour le paludisme qui nous tue, nos enfants et nos parents depuis le début des temps. Donc voilà, c'était un, rappeler ça à nos gouvernants. Et puis, en tant que scientifique, une petite, oui, pas interrompre, pas. Je ne peux pas dire, parce que je sais pourquoi il n'y a pas un vaccin pour le paludisme. C'est un parasite, ce n'est pas un virus. Donc, ce n'est pas aussi aisé. Donc, ce n'est pas aussi simple de dire que parce qu'il y a un vaccin contre la COVID, non, évidemment, évidemment. Mais n'empêche que sur le paludisme, 4 milliards
en une année, on a besoin de 6 à 7 milliards pour rien que le contrôle de la maladie, 400 milliards en une année pour la COVID, minimum. Bon. Voilà, et ça continue. Bon, voilà. Donc, moi, je dirais, c'est juste rappeler à chacun, voilà, les priorités. Je pense que le Nord a vu où était sa priorité, et c'est bon. Voilà, c'est normal. Mais je voudrais rappeler, surtout à nous, parce que je n'aime pas critiquer les autres, je me critique d'abord moi-même, voilà, de ne pas oublier que la COVID n'est peut-être pas la maladie qui nous tue le plus. Voilà. Alors, il y a un autre sujet qui vous préoccupe, ou en tout cas sur lequel vous prenez des engagements et vous mettez en place des actions, c'est la place des femmes dans la recherche, la femme en général, la femme africaine en particulier. À la Fondation, vous avez des bourses Femmes et Sciences. On vous a entendu sur ces sujets. De temps en temps, quel est votre constat sur cette question et où sont les freins de votre fenêtre, là où vous êtes? Alors, femmes et sciences, bon, c'est un projet, c'est vrai, qui me tient à cœur. Et bah, les femmes, voilà, en Afrique, en tous les cas, bon, déjà dans le monde, on sait très bien qu'il y a moins de femmes dans les sciences, hein, c'est 30% dans les sciences, il y a le Et plafond de encore en verre. biomédical, vous n'êtes pas trop mal loti. Exactement, exactement, exactement. Et donc, bon, mais là aussi, en Afrique, on sait qu'on n'a pas la masse critique de scientifiques capables de répondre à nos besoins. En Europe, je crois qu'il y a 4 000, environ 4 000, 5 000 scientifiques pour 1 million d'habitants. Nous, c'est 10 ou moins de 10, voire de données inexistantes. Bon, donc on voit que ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des scientifiques. Alors, on ne va pas dire il faut qu'il n'y ait que des scientifiques hommes. C'est un peu ridicule. Donc là, je pense que, voilà, je me suis dit, effectivement, il faut qu'il y ait plus de scientifiques, mais il faut que les femmes soient là, les jeunes filles doivent s'engager. Mais en fait, je dirais presque, je reçois autant de messages de jeunes garçons que de jeunes filles, et ce message leur parle aussi bien, parle aux deux sexes. Mais voilà, chez nous, en tous les cas, culturellement, la femme, l'ambition ne doit pas être conjuguée au féminin. Aussi, bon. Et donc, voilà, donc ce programme Femmes et Sciences, les interventions au milieu scolaire, les campagnes, les interventions grand public, voilà, c'est pour un peu changer ces stéréotypes et puis donner à l'ambition une image, à l'ambition féminine une image positive. Voilà. Et donc, je pense, enfin, je considère que c'est un programme très important parce que, bon, quand je vois déjà depuis 2014, l'impact, on a beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui sont intéressées, qui montrent leur intérêt, parce que quelquefois, elles étaient intéressées, mais elles n'étaient pas encouragées. Donc, Parce que ces bourses sont réservées oui, bien pour des sûr. femmes, mais sur des thématiques diverses. Elles ne sont pas fléchées, si peut-être. Bon, oui, pour le moment, on est plus focalisé recherche biomédicale. Pour le moment, parce que bon, nos fonds, malheureusement, ne sont pas importants. Donc, j'espère que le programme avançant, on aura plus de soutien financier pour pouvoir. Mais je ne pense même pas que ça soit notre rôle. Je pense que ça doit être au niveau national, il doit y avoir une stratégie pour qu'il y ait plus de femmes dans les sciences. Donc, ça doit être plus ambitieux que ça. Voilà, Oui, donc on a vu jusque-là que vous pratiquez la politique des petits pas et que ça fonctionne plutôt bien. Donc peut-être que ça aussi, c'est
un pas de plus dans la direction qui vous intéresse? Mon rêve ou mon objectif serait, voilà, qu'il y ait un mécanisme au niveau national pour encourager les filles et femmes dans les sciences. Vraiment, c'est mon objectif. Est-ce que c'est un ressort qui serait efficace de votre point de vue? Oui, absolument, absolument, parce que là, ça serait inscrit, il y aurait des bourses spécifiques et il y aurait un soutien tout au long peut-être de la carrière avec, par exemple, les grossesses, les arrêts à cause de la maternité, qu'elles ne soient pas pénalisées pour cela. Bon, voilà, si cela est inscrit dans une loi ou à ce moment-là, les femmes qui s'engagent dans les sciences seront protégées, encouragées, soutenues et cela entraînera forcément, ça sera un levier positif pour en avoir plus. Bon. En attendant, effectivement, des bourses comme les bourses des grandes fondations internationales, etc., sont les bienvenues et très nécessaires, absolument. Revenons 5 minutes sur votre nomination à la présidence du conseil scientifique de l'IRD. Quelles sont vos intentions dans cette fonction ou comment est-ce que vous voyez cette responsabilité qui vous a été confiée? Alors, je vois cela comme déjà une opportunité de travailler avec la recherche française, puisque excusez-moi, l'IRD. Je vais prendre, si vous voulez, je prends 2 minutes pour rappeler l'adresse mail, comme ça vous pouvez récupérer votre voix. Donc, je vous rappelle, si vous voulez envoyer vos questions, vous pouvez le faire à l'adresse email que vous avez en bas de votre écran et qui est conférence.lelieuunique@gmail.com. Voilà, je vous redonne la parole. Ok, donc je vois mon rôle en tant que présidente de l'IRD comme une opportunité justement pour mieux porter la voix des Suds, pas parce qu'il y a des Suds, c'est pas un Sud, donc au sein de cette importante institution de la recherche française en coopération avec les Suds, donc c'est très important. Et puis, dans le plan stratégique de l'IRD, nouveau plan stratégique, l'importance de la biodiversité est là et cela fait partie des enjeux du futur. Donc pour moi, c'est très, très intéressant. Je pense que c'est vraiment un moment clé et pour moi, en tous les cas, de mon engagement pour la recherche. Là, c'est un autre angle, voilà, un autre prisme. Et voilà, c'est pouvoir contribuer modestement. C'est un honneur et un privilège, évidemment. Alors, on va bientôt arriver au terme de cette première partie. J'ai envie de vous demander quels seraient vos projets scientifiques ou de plaidoyer dans les 5 ans qui viennent. Alors, scientifique, donc là, c'est développer encore plus notre centre de recherche sur les maladies infectieuses. Là, on est en train de mettre une unité de séquençage, le fameux séquençage. Maintenant, ça se vulgarise entre guillemets, mais avoir une unité importante de séquençage, parce que ça nous servira pour tous les pathogènes présents et futurs. Aujourd'hui, donc, en propre, vous n'avez pas de laboratoire équipé pour du séquençage. Non. Donc, vous le faites faire à l'extérieur. Exactement. Et là, on est en train, on a eu un financement pour commencer à mettre, mais c'est tellement, je suis ambitieuse, donc là, je commence à avoir une petite unité de séquençage, mais je voudrais une grande unité de séquençage pour, encore une fois, répondre aux besoins
aux besoins du pays. Ça serait mon rêve, une unité, voilà, performante. Et ça serait, oui, dans les 5 ans. C'est accessible dans les 5 ans, vous pensez? Oui, 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 oui. Justement, je dirais presque, je dis avec confiance, oui, parce qu'on est à l'époque la COVID et qu'il y a beaucoup de financement et que le plateau technique qui sera mis en place grâce à des financements COVID servira pour d'autres maladies. Donc, voilà, mon oui vient en fait parce que je sais qu'il y a des financements pour cela et que donc, bon, je vais essayer de, voilà, d'écrire. Et, il y a une opportunité apportée par la COVID. Exactement, exactement, absolument. Voilà, et puis avoir beaucoup plus de jeunes Congolais engagés dans les sciences, ça c'est, je ne dis pas femmes, mais vraiment jeunes Congolais, aussi bien garçons que filles engagés dans les sciences, avoir vraiment des équipes multidisciplinaires. En ce moment, j'ai une équipe évidemment ou des équipes multidisciplinaires, mais quand on a juste un ou deux dans un domaine, voilà, il n'y a pas de pérennisation. Bon, et donc voilà, avoir de vraies équipes multidisciplinaires, ça pour le coup c'est un rêve parce que bon, ça prend du temps, ça coûte cher, mais voilà. En termes d'activité de recherche, évidemment c'est continuer sur le paludisme, voilà, sur les maladies qui sont les problèmes de santé publique pour mon pays et pour le continent en particulier. Donc pour le moment ça reste, oh j'oubliais évidemment la résistance antimicrobienne, voilà mon cheval de bataille, voilà exactement le gros travail sur lequel voilà absolument la résistance antimicrobienne, voilà. D'accord. Bon, eh bien, je vous remercie pour cette première partie d'entretien. On va maintenant passer aux échanges avec les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent sur les plateformes numériques. Donc, il est encore temps de poser vos questions à l'adresse mail que vous avez, que je vous redonne une troisième fois, conférence.lelieuunique@gmail.com. Et puis, je vais passer la parole à ma collègue Marie-Céline Hénaud qui va nous dire si on a déjà des questions. Bonsoir. Alors, j'attends encore les questions. Je pense que souvent, les gens attendent la fin de l'entretien avant de poser leurs questions. Donc, n'hésitez pas, on attend. Et en attendant, moi, j'avais 2-3 petites questions à vous poser si vous êtes d'accord. Après vous avoir remercié chaleureusement pour cet entretien qui était passionnant. Je voulais revenir avec vous sur la remarque tout à fait intéressante que vous faites sur la relocalisation de la formation des scientifiques sur le continent africain. Et je m'interroge, effectivement, vous le dites très justement, il n'est pas de recherche intéressante qui ne soit localisée dans un territoire. Effectivement, la recherche clinique, si on la décentralise, on n'a pas en tête toutes les problématiques d'un terrain, d'un territoire, d'une population. Et ça, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que même d'un point de vue strictement pragmatique, en faisant une recherche sur le paludisme à Paris, eh bien, on ne va pas être aussi efficace et on ne va pas être aussi proche des besoins de la population que si on le fait sur place, au Congo en l'occurrence. Et donc, ma question, c'était, est-ce que cette relocalisation des scientifiques, qui clairement me paraît absolument nécessaire pour une recherche de qualité, est-ce qu'elle a déjà lieu? Est-ce que vous observez déjà cette dynamique-là? Est-ce que déjà, sur place, vous avez l'impression que les choses se relocalisent? Ou alors, est-ce que c'est un projet d'avenir? Et est-ce que vous êtes optimiste sur cette question-là, donc sur la relocalisation sur place des scientifiques pour la recherche fondamentale et clinique aussi? Alors, merci pour la question. Vous avez parfaitement raison. Elle a déjà commencé, cette relocalisation, en fait. Et je dirais même que c'est de plus en plus le mode de collaboration qu'il y a entre les Sud, on va dire, les pays du Sud et les pays du Nord. À savoir que, par exemple, dans le paludisme, il faut aussi, en recherche, reconnaître qu'un laboratoire du NIH aux États-Unis ou un laboratoire de l'Institut Pasteur, ils ont des moyens et des technologies tellement avancées, tellement futuristes,
mais qui leur permettent peut-être de poser des questions plus pointues et pendant qu'ils posent ces questions, des questions plus pointues qui sont complémentaires des questions posées par le partenaire qui travaille sur le paludisme au sud. Voilà, donc moi je vois cela plutôt s'être. Il faut cette relocalisation parce que tout ne peut pas être fait dans les Suds, on va dire comme ça. Et voilà, donc c'est une complémentarité de moyens, des complémentarités d'intelligence surtout. Pour moi, Ce c'est que vous ça. nous dites, au fond, c'est aussi que, de toute façon, la recherche scientifique, c'est une aventure collective. Exactement. De toute façon, tout ne se fera pas au Congo, où on perdrait une partie de l'information qui est la construction du savoir collectif. Absolument. Non, absolument. Et de plus en plus, enfin moi je constate, quand je compare au début, bon, pendant mon postdoc, et je vois les scientifiques et les échanges actuellement, je trouve que, voilà, c'est agréable à voir voilà, ces échanges qui s'améliorent. Il n'y a plus celui qui a les savoirs et l'autre qui applique, mais c'est des partages de savoirs, de connaissances et de réflexions. Et voilà. Et après, chacun, avec son plateau technique, va poser les questions et ensemble trouver des réponses. Donc, je pense que voilà, c'est comme cela que la science doit avancer. On va pas demander à avoir forcément un P4 dans tous les Donc un pays. laboratoire hein, pour manipuler des organismes dans le zoo d'un point de vue biologique. Voilà, Hein. exactement. C'est bon, voilà. Mais encore une fois, il faut au moins dans chaque pays un minimum qui permette voilà, De problématiser peut-être d'informer même. et d'informer la santé publique, les ministères de santé publique. Voilà, il faut un minimum de recherche, peut-être pas fondamentale, la recherche fondamentale n'est pas, mais un minimum de recherche locale qui permette vraiment de répondre rapidement aux problèmes, voilà. De santé publique, voilà, aux urgences de santé publique. Il faut ce minimum-là. Et on s'en rend compte avec Ebola, on s'en est vraiment rendu compte. Voilà, après, on téléporte des labos, mais voilà, il est possible d'avoir des petits labos, voilà, qui soient là, maintenus, pour pouvoir au moins réagir à la première alerte avant de. Voilà, d'avoir un soutien des laboratoires plus Très bien, merci beaucoup. performants. J'avais un deuxième point sur lequel je voulais revenir, si vous êtes d'accord, c'était la question du traitement que vous avez abordé en tout début d'entretien, la question du traitement préventif chez les femmes enceintes. Voilà, j'avais plusieurs questions. Est-ce que c'est une indication qui a été officiellement prononcée au Congo? C'est officiellement indiqué? Oui, absolument. D'accord. Le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, c'est l'OMS même qui a. Bon, c'est une recommandation de l'OMS. Donc, dans tous les pays endémiques où il y a le D'accord. paludisme, ce traitement préventif intermittent est recommandé. D'accord. Et l'acceptabilité chez les femmes enceintes est plutôt bonne, vous? Bon, oui, suivant les zones, plutôt, parce que c'est un traitement qui est donné gratuitement. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, quand les femmes viennent pour leur visite anténatale, à ce moment, à partir du troisième mois, elles reçoivent un antipaludique et puis jusqu'à l'accouchement. Avant, c'était deux, trois doses. Maintenant, bon, c'est à partir du troisième mois, il est possible de donner tous les mois. Et on se rend compte que, bon, il y a moins d'avortements spontanés. Et, bon, voilà, le bébé est en meilleure santé. Donc, c'est une recommandation de l'OMS qui est mise en œuvre par tous D'accord. les pays. Très bien. J'attends toujours les questions du public qui n'osent pas. Voilà.
Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé dans notre entretien, mais qui pour vous est un point important peut-être? Je pense à ce qu'on a dit à la toute fin qui concernait la résistance microbienne. Qu'est-ce qui est conduit aujourd'hui au Congo ou même au-delà qui vous intéresse scientifiquement ou qui met votre cerveau scientifique en ébullition? La résistance aux antimicrobiens, déjà, c'est bon, c'est très vaste, mais rien que la tuberculose, là, il y a des questions de recherche. Quel est le niveau de résistance dans la bactérie, donc Mycobacterium, la tuberculosis, aux antibiotiques? Quel est. On n'a pas ces informations et il y a de l'ultra-résistance qui se développe. Là aussi, il y a vraiment, on manque de. C'est presque comme, comment dire ça, une, pas une alerte, mais une menace qui est là et on l'ignore jusqu'à ce qu'elle soit plus pressante. Mais donc, ça, c'est pour la tuberculose, mais on le voit aussi ben, pour les autres maladies. Hein, les antibiotiques, le niveau de résistance aux antibiotiques les niveaux de résistance augmentent. Et là aussi, il n'y a pas de. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'il y a. Les scientifiques, évidemment, en ont conscience, mais que les autorités prennent cela à bras le corps pour mettre en place déjà, ben, justement, des plans pour bloquer cette. La propagation de cette résistance et ça veut dire ne moins prescrire les antibiotiques. Enfin, voilà, il y a un ensemble de choses à mettre en œuvre. Bon. Et vous m'avez fait penser aussi. Ah, voilà. Et l'autre point qui me peut-être qu'on n'a pas sur lequel on n'a pas parlé par rapport au paludisme. Les médicaments contrefaits, les faux médicaments, le fait que c'est vrai que jusqu'aujourd'hui on souffre toujours du paludisme, mais n'empêche qu'il y avait du paludisme à Miami, aux États-Unis, sur le pourtour européen, il n'y avait pas de vaccin, mais le paludisme a disparu, a été éradiqué. Bon, c'est vrai qu'il y avait le DTT, mais n'empêche que. Bon, je pense que on a là aussi des bombes qui sont là avec ces médicaments contrefaits, ces médicaments qui sont vendus dans nos rues, bon, évidemment dans les rues sans ordonnance, mais même quelquefois dans les pharmacies aussi sans ordonnance. Donc là aussi, c'est une menace, une menace ignorée. Voilà, et ça pour moi, par rapport au paludisme, c'est un grand problème parce que parmi les médicaments les plus contrefaits, ce sont les antipaludiques qui sont au premier rang. Et c'est la C'est-à-dire en maladie. termes d'incidence, enfin en termes plutôt de présence sur le territoire et de proportion contrefait ou contrefait, c'est ça que vous voulez dire? Oui, y a des études qui sont menées. On prend dans le pays, bon, c'était une étude qui avait été menée au Congo démocratique, qui a été publiée sur, je crois, sur une centaine d'antipaludiques pris dans Kinshasa. Je crois qu'il y avait plus de la moitié, et bien quand je dis plus de la moitié, largement plus de la moitié qui n'étaient pas de bons médicaments. Soit en dose. Comment on dit ça en bon français, sous limite, enfin, avec le composant actif Le principe actif était étant en plus faible en plus, quantité. voilà, en plus faible quantité ou carrément contrefait. Quand on sait que le paludisme est la première cause de consultation, première cause d'hospitalisation, il y a des gens donc qui achètent ces médicaments. Et puis qui ne guérissent pas, qui meurent parce que bon, la maladie progresse et voilà. Donc ça, ce sont des menaces
vraiment très importante parce que on parle du paludisme, mais il y a beaucoup d'autres médicaments qui ne sont pas appropriés et qui sont vendus, voilà, ouvertement. Et à vos yeux, que peut la science, que peut la recherche biomédicale contre ce problème, cette problématique des contrefaçons? Alors, il y a des choses très intéressantes qui ont été mises en place, même à partir du portable. Je sais qu'il y avait eu des prototypes au Kenya. En tous les cas, j'ai vu ça au Kenya et je crois au Rwanda, si je ne me trompe pas. Enfin, où, à partir du code barre, le téléphone portable et le code barre, on sait tout de suite si le médicament est un vrai médicament ou si bon, le code barre est faux et que bon, ce n'est pas un bon médicament. Donc, c'est-à-dire au moment d'acheter, au moment d'acheter, je vais scanner le code barre. Exactement. Exactement. Et tout de suite, voilà, avec le portable, le smartphone sur le code barre et tout de suite, l'acheteur sait si c'est fiable ou pas fiable. Bon, ça, j'avais trouvé cela. Et c'était peu cher et tout le monde est connaissant la pénétrabilité du portable en Afrique, hein, c'est-à-dire que tout le monde a un portable, au minimum un portable, donc c'est un outil qui pourrait être utilisé pour, voilà, par exemple, pour vérifier. J'avais trouvé cela très intéressant comme outil, bon, par exemple. Parce que les médicaments contrefaits sont en vente dans quel... On les trouve où? Par quel circuit? Ouais. Ils sont au marché. Les médicaments de la rue, comme on dit, ils sont vendus. Voilà. Mais vous disiez même en pharmacie. Bon, voilà, on peut C'était tomber possible. En pharmacie, ah, oui. Exactement. On peut tomber malheureusement sur un mauvais médicament. Mmh. Absolument. Des études ont montré cela. Donc, pour moi, ça, c'est un... Ça, c'est un souci. C'est un souci, oui. On a une question qui arrive d'Olivier, qui déjà vous remercie pour la passion qui transparaît dans vos propos, et qui vous interroge. Vous disiez qu'effectivement, la culture scientifique était assez peu présente, et qui vous interroge sur existe-t-il sur place des actions de sensibilisation pour les scolaires, dans certaines institutions, auprès de la population en général. Voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation scientifique ou de vulgarisation scientifique? Et si oui, est-ce que vous y participez ou est-ce que vous avez des projets sur ce type d'action? Merci pour la question, Olivier. Effectivement, dans nos campagnes de sensibilisation en milieu scolaire, c'est vrai que on fait ces campagnes de sensibilisation dans le cadre du projet Femmes et Sciences, donc où je vais avec des étudiantes dans les lycées, les collèges, et puis j'échange avec les élèves, je leur parle des sciences, je réponds à leurs questions, mais les étudiantes répondent aussi à leurs questions. Dans ce cadre-là aussi, on a des portes ouvertes au laboratoire où les élèves viennent voir des manipulations simples au laboratoire, regarder les parasites au microscope. Donc, chaque année, c'est généralement la dernière semaine de juin, la semaine de la science chez nous. Et donc, les élèves peuvent venir voir ce que c'est qu'un labo de recherche. On a mis aussi en place pour les meilleurs de certains lycées avec lesquels on travaille, un stage de 3 jours pour les meilleurs en classe scientifique pour venir travailler au laboratoire. Comme ça, ils participent à des manipulations et se rendent un peu plus compte de ce que l'on fait, l'extraction de l'ADN, ça, ils aiment beaucoup ce genre de choses.
Voilà. Donc ce sont des activités que l'on conduit, mais effectivement, il faudrait en conduire plus parce que les lycées n'ayant pas de laboratoire, donc les enfants, souvent, bon, c'est vrai, des petites expériences scientifiques toutes simples, malheureusement, quelquefois, ils ne peuvent pas, voilà, Donc, ils ont une les approche faire. très théorique de la science jusqu'à ce qu'ils mettent un pied dans votre laboratoire, par exemple. Absolument, absolument, absolument. Mais au Congo, il y a d'autres, je sais qu'il y a d'autres associations ils ont qui ont un laboratoire mobile et vont dans les écoles pour, voilà, faire des manipulations, permettre aux enfants de faire des manipulations simples. Voilà. Très Bien. C'est tout un panel d'actions qu'on regroupe sous l'intitulé diffusion de la culture scientifique et Scientifique, technique. et Et voilà. effectivement, il y a mille et une façons de faire, mais il faut des gens pour conduire ces projets. Marie-Céline, est-ce Oui. qu'il nous reste une question? On peut encore en prendre deux. Non, pas spécifiquement là. Non, non, rien de. Pas Pas de d'autres nouvelles questions. questions? Pas de nouvelles questions sur le. Voilà, si jamais les spectateurs se décident dans les 30 secondes, vous pouvez y aller, mais pour Voilà, l'instant, rien de. Voilà. on aurait encore le temps pour prendre une question si elle arrivait. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on ne va pas tarder à terminer. Donc, Madame, professeur, au nom du lieu unique et de toutes les personnes qui ont suivi nos échanges, je vous remercie très chaleureusement pour le contenu et la qualité de cet entretien, mais aussi pour vos engagements en faveur de la recherche biomédicale en Afrique et ailleurs, de la lutte contre les maladies infectieuses et puis en faveur d'une place plus juste pour les femmes dans la science. Merci aussi à vous qui nous avez suivis sur les plateformes, malgré la distance, avec un peu moins de convivialité, mais de la convivialité quand même. Marie-Céline, soit on prend une dernière question maintenant, soit on va s'arrêter. Non, j'ai voilà, pas de réaction supplémentaire. Elles arriveront peut-être malheureusement un peu tard. Eh bien, tant pis. Peut-être pourrons-nous réinviter Francine Voilà. Tumi une autre fois. De toute façon, Merci. d'ici 5 ans, puisque vous avez annoncé des ambitions, Oh. on aurait bien envie de suivre leur réalisation. Merci à tous, à toutes. Et puis, je vous laisse. Je vous dis au revoir et à bientôt. Merci Et beaucoup. merci. Au revoir. Merci.